Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Mount & Blade de Paderlord. On s'était arrêté la dernière fois, on avait défendu la ville, notre cité, pardon, d'Onira. Et on avait obtenu d'ailleurs cette fameuse cité également, hein, qu'il va falloir améliorer. Ouais, je propose de ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques quêtes. Oh! Bien évidemment, on va aider. On va quand même aider toute personne contre les troupes les ennemis dans le coin. Oh, sympa la plaine. Alors. Allez, suivez-moi tous, qui même me suivent. On a une petite plaine, une petite vallée sympa là. Un moment est venu de charger. Ça n'a pas touché, dommage. Voilà, ça touche. Voilà, ça touche. Il se déplace vite, lui. Il se déplace vite, salaud. Ah. Ah, il y en a deux ici, là, il y a des armes à l'étrier. Ah bah. Fauché. Ok, il doit rester quelques petits survivants dessus de là. Ah ouais, il y en a un là. Deux là-bas. Qu'il en reste un seul. Ah bah il en reste plus. Impeccable, pas de blessés. On a même un petit prisonnier. C'est génial. Alors, il a besoin de quoi? Ok, il faut lui livrer un. Faut lui livrer son troupeau. Ouais, pas mal de bêtes hein, quand même. On va livrer le troupeau à Poros. Hein. Attends, je sais pas, on guerre contre eux. Attends. Vraiment que je faut vraiment que j'aille livrer un troupeau. Non. Des abuses. Faut que j'aille livrer un troupeau dans une ville détenue par les gens contre lesquels je suis en guerre. Non mais. N'importe quoi. On aura tout vu. Oh, 5 300 pour le libérer, lui, la vache. Il coûtait cher. Hein. Ah. Ma colonie est assiégée. Très bien, très bien. On va se débarrasser de ça, déjà, dans un premier temps. Oh! J'ai cru que je m'étais bien décalé, mais non. Ah, mais il se planque ce chien. Voilà. On va chercher les autres. On va leur demander de me suivre quand même. Discret, hein. On est très discret. Ils nous voient pas, ils nous entendent pas. Ok. Ok,
j'ai même des niveaux. Mince. Ah, comment ça, c'était quoi ce tir pourri là? On va les faire charger quand même, qu'ils se prennent pas des flèches gratuites. Oh bah. Il s'est pris un coup de faux, l'œil. Ah, j'ai perdu une unité, mince. En même temps, ce sont des jeunes recrues. Faut bien les former, hein. C'est comme ça qu'on les forme chez eux. Ah, je le voyais pas. Attendez, j'en ai entendu là. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une nouvelle arme aussi, quoi, pour tester. Alors, on va remonter le bouclier. Parce que c'est une arme que je vais utiliser à deux mains. Très bien. Allez, c'est magnifique ça. Et voilà. Voilà, donc on peut l'utiliser soit pour planter, soit pour trancher. Ok, deux blessés. Ça, c'est un côté blessé du coup, c'est bien. C'est-à-dire que je ne les ai pas perdus. Hop là. Donc ils perdent tout ce qu'ils avaient. On va à l'Antas et on va défendre Onira le plus rapidement possible. On va à l'Antas pour recruter des troupes. Recruter une troupe. Quête annulée. Je m'étonne. Ah ouais, c'est compliqué là. Est-ce que je peux lever une petite armée? Roche, 9h, 2h, Roche, 12 et 12h, ça coûte cher. Ah, vite, très très vite lever une armée. Le but étant d'attaquer avant qu'il ne fasse tomber la ville. Voilà. Alors, on va les aider. On a une nette supériorité numérique. Là, on a une belle plaine. Je vois encore pas les limites de déploiement. Ah, sacré plaine! Ouais, bah dis. Ah ouais! C'est, ça va loin! Attends, on est sûr d'être dans le bon sens? Ah bah ouais! Ouais, on va en envoyer là. On va prendre les hauteurs. On est prêt, on va voir ce qu'ils vont faire. Alors, ouais, on va, ok. Vous allez me suivre, on va aller tranquillement, on va prendre la hauteur.
Hop là. Et ça, on sera planqué. Quand même, on peut se rapprocher là-bas. Ils sont planqués dans la forêt. Ah mince. J'ai pris de la hauteur pour rien. Oh, c'est où? C'est un bon cheval, ça. Ah, ils ont pris la hauteur. Ok, donc on va vite les contourner. J'ai pas vu si on pouvait contourner plus loin ou pas. Mais je crois pas. Je crois que c'est pas possible. Je crois qu'on peut. Le mieux qu'on puisse faire, c'est par là. Alors, essayer de monter comme ça. Quoique, il y a peut-être moyen en vrai. Regardez ça, on va. Ah non, 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 non. Ok, ce sont les limites de la map. Allez, on va faire charger les unités à pied. Ouais, je vais vite demander à ma cavalerie là de se préparer. Voilà, elle va bientôt être prête. Là, on a une borne charge par derrière, alors là, cette monstrueux. Bon, les chevaux, là, pour de vrai, les chevaux, ils devraient être lessivés. Allez, on va charger. Voilà. Ah, non, c'était un copain. Et pour faire une bonne charge comme ça. Ah, c'est la débandade. Hein. J'arrive pas à le toucher lui. Ah merde, désolé le cheval. Ok, je vois pas beaucoup d'unités ennemies. Hein. Alors je les entends. Ah regardez, il y en a là-bas qui sont en train de fuir. Oh là, il y a plein d'unités ennemies là. Voilà. Allez, faisons-nous plaisir là. Allez, barrez-vous. Oh là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ah bah j'arrive plus à toucher là. Voilà. Ok, c'est en train de partir, ils sont en train de fuir là. Ouais. Voilà, on va faire. On va se débarrasser d'un peu tout ça. Ah bah, casse-toi. Dégage. Dégage avec ton cheval toi. Fait de bonnes pertes. On va voir, y a-t-il encore quelques unités ennemies? Ah, apparemment, il y en aurait quelques-unes là-bas, 3.
On va aller chercher. Ah bah ils ont fui. C'était par là. Trois sœurs effets allumées d'un coup. Et ben voilà. L'ennemi a fui, on a gagné la bataille. 5 victimes de mon côté, 19 blessés quand même. Et j'en ai personnellement Oxy 19. Hop, t'es mon prisonnier. Tu es ma prisonnière. Beaucoup, beaucoup de prisonniers. Allez, j'ai rien qui vaut cher. Dommage. Et on va rançonner tout ça. On va rançonner tout ce beau monde. Et on va dissoudre l'armée. Impeccable. Taverne, rançonner les prisonniers. 13 875. Vache. Ah, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ça n'est pas grave. Commerce. Alors, voyons voir. Peut-être quelques chevaux qu'il faudrait que je garde, oui. 13 595. C'est génial. Armes d'ast. Ah, j'ai très vite amélioré. Alors, augmente vos dégâts avec les armes d'ast. Enfin, vous êtes à dos de monture, 2%. Les dégâts de la troupe de cavalerie en formation ou monnaie sont augmentés de 2%. Ok. Augmente les dégâts de vos armes d'ast de 2%. Ok, bah je préfère ça. Enfin, voilà, après. Ok, avec l'arc, on a bientôt atteint le point maximum. Donc on va débloquer les. On va débloquer de nouvelles compétences. Allez, je vais me débarrasser de vos brandis. Faut que j'aille là-bas. Alors, messager de Ménézon, il propose d'ouvrir une rançon. Bah ouais. Un besoin de travailleurs. Ah. On verra ça après. À combattre les braconniers. Déjà. Ils sont où mes troupes sont en dessous. Là j'ai moins. J'aurais perdu beaucoup de troupes à distance là d'un coup. Ok. C'est possible, c'est possible. Hop, allez, je demande à ma cavalerie de me suivre. C'est que. Il ne s'agit que d'unités à distance, donc. On va les avoir facilement avec un peu de cavalerie. Allez, je me prends beaucoup de flèches là. J'arrive pas à en toucher une seule. C'est fou ça, mais. Ah bah enfin. Ah bah il me laisse tout seul, eh. Ah bah d'accord, super. J'arrive à tirer dans mes alliés, moi. Il y en a un, il y a un allié, il y a 50 ennemis. Non mais. T'es vu, toi, lui faire un tacle là. Pour qu'il tombe et que je le touche pas. Mince. Ah, j'ai déjà plus de munitions. Ah bah, voilà. Hop là. Plus l'air de rester grand monde. Voilà, pas de perte. De mon côté du moins.
Une quête rondement menée. J'avais, il me semble, un troisième. Oui. Un troisième village. Ah, mais là, ils ont pris la sauce, les pauvres. Escorter les caravanes marchandes, je suis pas trop chaud là pour l'instant de me barrer comme ça. Petit tronçon, ça me va. Allez, on va se débarrasser des pillards en attendant. Oh, j'ai une troupe ultime, garde mercenaire. Ah bah super. Hop, les pillards, on n'en veut pas. Voilà. Plus ça me servira pour la quête. C'est tout bénef. Salut les pillards. Au revoir les pillards. On continue. Hein. Pas de repos pour les guerriers, pas de repos contre les pillards. Quand on n'a plus, ben il y en a encore. Non, les villageois, on les laisse tranquilles, ils ont rien demandé. Bon, les caravanes, je vous avouerai que. Elles vont vite m'énerver. De toute façon, on a vu une petite armée là qui se baladait. J'espère qu'ils vont pas aller sur l'Antas. On améliore toutes nos petites unités tranquilles. Ils ont l'air de vouloir partir. Bon, eux, par contre, ça va vite m'énerver là. Voilà. Ils attendaient, ils étaient en éclaireur. J'aime pas ça. Alors, on a la portée ou pas avec les. On a la portée. On va juste attendre un peu. Ça touche un cheval, hélas. Ça touche un cheval. Allez, chargé là. Quelle cavalerie charge. Demande aux unités corps à corps de charger. On est sur la même map, hein, j'ai l'impression, non? On se rapproche. Hein. On va pleurer les archers. Allez-y. Arrêtez de vous mettre devant moi. Mais oh, j'ai dit suivez-moi, j'ai pas dit mettez-vous devant moi. Oh, c'est pas passé bon. Bon, là, ils ont l'avantage de la hauteur, par contre, ça, c'est pas ouf. On va aller les chercher avec les cavaleries. On va devoir passer par la forêt, c'est jamais très arrangeant, mais. Ouais, c'est la même map. Allez, on fait charger. Voilà, de côté, on est bien. De côté, même un peu de hauteur. Hein.
Voilà, c'est dans la forêt, ça c'est le côté moins sympa. Ah bah dis. Ah bah. Bon, il a mérité, hein. Il s'est passé, il s'est foutu devant. Exprès. Je l'ai vu, il a dit non, tu ne toucheras pas, tu ne gagneras pas d'expérience. Voilà. Il reste quelques unités. Ouais, il y en a une là-bas. Passer par la forêt, c'est pas très très agréable, mais. Il en reste d'autres, il en reste de là-bas. Bon, ils ont disparu. Ah bah, elle est passée derrière. 140 mètres à derrière moi. 140 mètres devant à 20 mètres derrière. Allez, moi je m'en sors avec une victime. Deux prisonniers comme d'hab. Voilà. J'ai besoin de prisonniers les gars. Hop, on va se rendre au donjon. On va se rendre aux oubliettes. Gérer les prisonniers, on va. Waouh! Ah ben non, il y en a du monde. Alors on va envoyer toutes ces unités-là. Prisonniers un peu spéciaux qui valent quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Espion parmi nous. Ah! Bon, j'arrive, mais un instant. Et là, les prisonniers, je vais les envoyer. La pénitence entre guillemets au charbon. Lorsque vous pillez un pillage, un village, ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Les gages de vos compagnons et les frais de recrutement sont réduits de 25%. Les armures dont vous... Ah, les armures dont vous débarrassez peuvent être données aux troupes pour plus d'expérience. Impeccable. C'est exactement ce que je cherchais. J'ai pas mal de prisonniers. On va les refiler. Bien sûr, on garde tout ce que je t'emmène. Hop là, fais-toi plaisir. C'est tout? Ah, je peux pas lui refiler le reste. Ah, flûte. Ça, c'est moins cool. Bon, on va les revendre. Pas les revendre. On va les rançonner. On va essayer de trouver quelques autres brigands, bandits, etc. Non, c'est pas des bandits tout ça. Allez, on va l'aider. Est-ce qu'il galérait un petit peu à le rattraper? Voilà. Hop, attendez. Regardez. Vos troupes gagneront tant de points d'expérience. Et voilà. Grâce à ça, mes troupes sont meilleures. C'est génial. Il n'y a plus beaucoup de bandits. Ah mais non, les villageois, je n'attaque pas, ça me sert à rien. Offre de rançon, allez, c'est parti. Bon. On va finir par faire la quête. C'est un espion parmi nous, hein. Bon, on va la faire cette quête. Donc on va se promener au centre-ville et puis on va refaire. C'était la même quête que la dernière fois. Ça manque d'un cheval en vrai, en parlant de temps. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Pareil, on pourrait se débarrasser dans des quartiers malfamés.
Regardez, j'ai fait le plein aussi au niveau des armes. Voilà, nouvelle épée. Quelques couteaux de lancer. Elle nettoie les murs. Très, très consciencieuse. C'est très bien. Est-ce que j'ai seulement pris la quête? Est-ce que c'est seulement dans cette ville? Barbier. Ah ouais. Forgeron. Y a pas le vendeur d'animal ici? C'est pas très animé ici, hein. Est-ce que j'ai vraiment pris la quête? Mais c'est épique Rothéa. Oh, ouais, mais non, c'est loin. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la ruelle malfamée. Là, j'en ai vu une. Une en rouge? Je suis pas fou. Il en manque une, là, j'en vois une. Deux. Ah mince. J'ai perdu une nouvelle, les gars. Je l'ai vu en arrivant en plus. Ah, elle est là. Je la voyais pas. Elle est retournée. Ah oui, c'était par là. C'est la même que la dernière fois. Wesh. Ah, il a blessé mon pote, salaud. Voilà. Non mais oh. Vous avez éliminé des membres d'une bande sur un territoire leur appartenant. Voulez-vous rester ici pour vous assurer que les autres n'essaieront pas de le reprendre, bien sûr? Vous voyez des hommes bourrus commencer à se rassembler au loin. Vous suspectez qu'ils attendent des renforts et rassemblent leur courage pour se battre. Vous attendez qu'ils se rapprochent. Eh bien, qu'avons-nous là? J'ai entendu dire que vous aviez manqué, que vous aviez flanqué une dérouille à méga. Vous êtes plutôt fort. Vous êtes plus fort que ce que vous avez l'air. Mais sachez que j'ai plus d'une flèche dans mon carquois. Partez maintenant et je vous laisserai la vie sauve. Restez et je vous offrirai un combat tant vous ne vous le relèverez pas. C'est ce qu'on va voir. On a un petit avantage. Un léger avantage. Numérique. Allez, suivez-moi les gars. Voilà, elles attirent un peu. Facile. On a récupéré de l'huile. Ouais. Vous avez un cul les brutes qui surveillaient la ruelle. Impeccable. Je m'entends mal avec un mec. Ça, c'est pas très grave. Avec lui là, c'est un chef de bande. M'intéresse pas. Parce que toutes les autres relations ont été augmentées. Et du même biais,
Il y a même un peu plus de sécurité. Au village pillé, bon, après voilà, il y a deux villages pillés, mais ça va se. Ça se fait petit à petit. C'est pas ma faute, il y a eu. Il y a des méchants, voilà, il y a des vilains. Voilà, 11 prisonniers, c'est bien ça. Voilà. Alors leur donner un travail honnête, c'est quand même pas magnifique. Ils passent de brigands et je leur donne un travail honnête. Oh les gars. C'est génial. Enfin, je trouve ça super sympa, moi. Allez, on va rassembler tout ça. Là, je suppose, oui, voilà, que je peux commencer à recruter déjà des unités un petit peu meilleures. Et... Ouais, escorter la caravane. C'est un peu tôt. Ouais, les pauvres. Ils s'en font un peu piller. Hop, 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 les pires. Voilà, vous restez de ce côté-là. Ça ne m'intéresse pas. Merci. Hop, 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 les pires. Même punition. Où c'est que tu crois, allez, toi? Hein? Ah, j'en ai vu là-bas. 28 pillards. Cent d'expérience. Impeccable. Ah, une quête. Et je suis sûr d'ailleurs que. Oui, voilà. Je peux même améliorer mes unités, magnifique. Querelle familiale. Ah. J'étais en rouge, je possède des terres, hein. On m'a dit que vous avez besoin d'aide. Un des membres de ma famille a succombé à la colère pendant une querelle, a tué un homme de Parasemnos. Nous avons proposé de payer le prix du sang. La famille du défunt a catégoriquement refusé. Il s'est avéré que le défunt était un parent d'Erinios de Parasnos, un ancien de cette région. Et maintenant, les hommes de Parasnos ont juré de tuer la personne dans le Talavi. Je sais que, en tant que seigneur de ce quartier, on ne serait pas ces odieuses menaces impunies. Pour cette même raison, vous pouvez aller voir Arisinos de Parasemnos et l'obliger à accepter le prix du sang. Attends, il y a un truc chelou là. Pour eux, le prix du sang, c'est. Enfin, pour moi, le prix du sang, c'est. Bon, tu tues quelqu'un, bah. Un mort pour un mort. Chaque côté. Voilà, clean. Et là, c'est. En tant que magistrat de ce quartier, j'ordonne que payer le prix du sang est désormais accepté. Il s'agit d'un crime passionnel, non crapuleux, dit à. De prendre l'argent, de subir ma colère. C'est bizarre. Vous avez un peu de monstre avec vous, oui. Tout le monde doit savoir que nous mangeons nos fils. Sans quoi d'autres penseront qu'ils pourront tuer sans conséquence.
Comment crouler sous l'argent si notre clan n'a plus d'enfants? S'il vous plaît, laissez-nous nous venger. Rondo, que tout ceci ne dérangera pas. En querelle sanglante. Ouais, c'est ça. Problème, c'est qu'il a raison. Dans le sens aussi. Enfin, ça reste mon opinion. Mais bon, si tu tues 20 000, allez, si tu tues, imaginons, si tu tues 10 personnes, mais tu dis, oh, c'est bon, je t'ai payé 50 millions d'euros, je peux bien tuer 10 personnes. Bah non, ça marche pas comme ça. Ok. C'est pas parce que t'as du fric que t'es. Que tu peux tout faire. Ça reste mon point de vue, bien évidemment, mais. Je dis pas avoir d'argent, ok, c'est bien, mais. Pas faire n'importe quoi. C'est marrant, ça me met que j'ai une quête, mais je n'ai pas de quête. Ouais, il faut que j'aille IP Crotea pour faire cette. Cette recherche. Voilà, la cité aime bien. Vraiment, falloir que je la garde. Va l'améliorer, on va la bichonner, on va tout lui faire. Ça fait un sacré chemin. J'ai même gagné un niveau en intendance. Propre. Très très propre tout ça. Alors on va se promener vite et on va rechercher des indices. Oh, faut vraiment un cheval là, c'est plus possible. Se balader dans les villes sans cheval. Attends. Ouais, c'est ça. Attends, mais je vais prendre mon meilleur cheval là, destrier. Pas de sel. Certes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter une selle. Un petit truc pourri. Ah oui. Selle solide. Allez, ça fera l'affaire, ça. Terminé. Bon, alors, on va se repromener dans la ville. Ce sera mieux. Avec un cheval. Et mon cheval. Bon, ça, j'ai pas de cheval. Ah, ça a dû me laisser au même endroit. Attendez. Partir. Revenir. Se promener dans la ville. Peut-être. Donnez-moi mon cheval. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai ça. Maison de Yastiana. Ah, il est là mon cheval, je crois. Non, c'est pas lui. Oh merde.
Cours pas, fuis pas comme ça. Bonjour, je cherche mon cheval, s'il vous plaît. C'est pas toi? C'est pas toi? Il m'aurait donné un coup de sabot, lui. Ouais. Dis-moi où est mon cheval. Ah bon, je vois. Bon, bah j'ai un cheval, mais je ne sais pas où il est. C'est quand même ballot, ça. Non, on a dit quelqu'un. Il portait une épée à l'apparence redoutable. Ok, bon, il a une épée déjà. Ouais, ça va être la même que la dernière fois, ça. On va voir lui avec sa hache là. J'ai pas d'épée, donc ça passe. Bah ouais, mais je pose des questions, mais personne ne sait rien. Je fais ce que je peux, moi. Hey, gamin! Non. Elle est jeune. Ok. Et toi? La vieille! C'est que ça. Ah, mais c'est le cheval que j'ai. Ah, excuse-moi, hein, tout à l'heure. Oula, putain, j'ai fait donner un coup à un gamin. Et toi, tu as vu quelque chose? Alors. Il a quoi ça, un foulard? Il a extrait des informations sur le coup. Ouais. Il y a une barbe, je m'en souviens. Ok, donc il a une épée et une barbe. Malfra, malfra, malfra. Ok, donc lui il a pas de barbe déjà, donc c'est pas lui. Concurrent fier. Alors, ok, on est un là. Il n'y a pas d'autre endroit, concurrent. Thanos, machin, truc niche. Oh. Non, bon. Il y avait une barbe, il me dit, une barbe, une épée. Ouais, c'est lui là. Y a une barbe, une épée. Ah, c'était pas le bon. Il semblerait que ça n'était pas le bon. Oups. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Après, c'était un duel. Enfin, c'était censé être un duel. C'était. Oups, non, mais personne n'a rien vu. C'était pas du tout dans des arènes.
Bon, on va retourner dans notre petite ville. Ni vu ni connu. On va en profiter pour recruter au passage. Un peu de cavalerie, ouais. Peut-être même recruter un. Des. Comment ça s'appelle? Des archers. Si on en trouve sur le passage. Ok, j'ai des troupes. Non. Toujours pas. Peut-être là-bas, peut-être à gauche. Beaucoup de cavalerie, mais très peu de troupes à distance. Ouais, vraiment énormément de cavalerie. C'est pour être père du château. Bah, j'en ai pas envie hein, du château. On s'abstient. Hop. Ça coûte plus cher qu'autre chose les châteaux à entretenir. C'est un gouffre. Ah voilà. Pas mal d'unités à distance. Comme ça, on est complet. Au côté des troupes, ah, il y avait quelques archers. Oh, c'est pas grave, allez. Oups, on va escorter sa petite caravane qui l'emmène directement dans les territoires ennemis. Super. Compliqué là. Hein. Hop, ça c'est une attaque ça. Allez, on va les aider. À 45 unités corps à corps, c'est bien ça. On attendait qu'ils arrivent, surtout toujours pressés. Alors, on va envoyer une petite troupe monter à l'attaque. Merde, j'ai un peu trop décalé. Oh, ça lui a frôlé la tête. Ouais, on a plus, ils sont où? Derrière. J'en ai vu un là. Hop, c'est une petite victoire, voilà, sympa. Pas de blessé. Tu m'en de mon côté, pareil.
On continue à suivre. J'ai gagné pas mal de niveaux en attendant ça. Voilà, Ficaro. Il a loupé la caravane. Ouais, ça, j'adore. Hop là. On va attaquer. Est-ce qu'ils viennent? Non. Allez. On va l'envoyer, on va à peu près garder la même vitesse. Hein. Allez, tout le monde à la charge. Aïe, oui. Tu te mets ton cheval, toi? Qu'est-ce... Toi, is lost déjà? Ça a l'air d'être fait. Hein. Ah voilà, une petite victoire. Hop là. Ils sont avisés. Oh, alors là, je vois une armée par contre qui se dirige vers chez moi, c'est pas bon. Intérêt à faire vite. Putain, oh, territoire ennemi, quoi, encore une fois. Ah non, c'est pas territoire ennemi. Ouais, c'est ça. Il y a déjà un siège. Un siège sur ma ville. Vite falloir le calmer. Ouais, on va intercepter tout ça. On attaque. C'est parti. Prenons un peu la hauteur. Sérieux? Allez, tout le monde à la charge. Oh, mais non, j'ai toujours pas touché. Mais non. Ah, mais. Ah, bah super. Je touche un copain. Mais non! Voilà. Voilà. C'est gagné. Voilà, j'ai un petit manque de temps, j'espère que ça va le faire pour terminer cette quête. Ah, je me fais piller mes territoires, alors. Hop, on va attendre. Ah là là.
parti là. Allez, rendez-vous. Pas le temps. Là, je vais en résolution autour. Bon, et là, j'ai perdu quelques petites troupes. Non. Allez, 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 allez. C'est toujours pas fini? Non. Attends. Sérieusement, il me demande d'aller jusqu'à là-bas là? Non mais arrête, aussi, t'es vraiment... Toujours plus loin. Bon, je vais essayer d'intercepter là. J'essaie d'intercepter le groupe. Ils se démerderont après. On va trop vite, on va trop vite, on va trop vite. Oh purée, il s'est foutu au groupe quoi. Mais alors, allez là. Ouais. Non mais. Ouais, ça me va, ça me va, ça me va. Donc là, vous êtes en train de dire, je me suis dit, ah, voilà, c'est les pillards, ils sont là. Ils sont à l'arrivée, hein, forcément. Là, on envoie tout. C'est intérêt d'être de votre. Allez, bougez-vous là, non mais sérieux. Oh, un flamant rose avec une patte cassée, il irait plus vite que ça là. Ça y est, enfin. Faut vite redescendre maintenant au niveau d'Onira. Et c'est ici que je dois vous laisser pour aujourd'hui. Hein. Désolé de ce départ un petit peu sur le chapeau de roue. Donc j'espère tout de même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une remarque ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je vous propose de me retrouver prochainement pour le prochain épisode ou pour une autre série. Donc les séries en cours par exemple sont Foundation, donc petit jeu de gestion médiévale. Et on a du Civilization 5 également qui est en cours. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres séries. Allez. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao!